Non, mais franchement, j'espère que vous allez. Vous allez bien et même très, très, très bien parce que moi, ça va super, super. Même si je n'ai pas d'homme. Regarde mes yeux. Mes yeux sont tellement rouges. Je n'ai vraiment pas dormi. Devinez, il est quelle heure? Il est 3h30. 3h30. C'est-à-dire que juste après la finale. Pam, devant ma caméra. Nouvelle vidéo. Salut la famille. Je ne pouvais pas manquer. Franchement, je ne pouvais pas manquer ça. Parce que, comme vous le savez, Olivia, c'est ma candidate depuis le début. C'est ma candidate fave. Et aujourd'hui, franchement, je suis fière. Je suis contente. Je suis heureuse. Je suis émue. Je suis happy. I'm happy. I'm so. I'm so. Je suis contente. Non, mais je suis pas très très contente. Je suis en même temps très très déçue. Elle aurait pu être Miss. Je ne comprends pas, franchement, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour la mettre. Après, la première dauphine même n'était pas mon kiff. Franchement, je sais pas sur quel critère. I don't know. You know, je sais pas. L'américaine, elle n'était pas très convaincante, elle n'était pas très mage. J'ai rien compris. Sincèrement, j'ai pas compris. Au moins, elle n'est pas tombée au Titanic. On va prendre ça comme ça. Non, mais la famille, comment s'est passée la finale? Comment vous avez vécu? Comment vous avez vécu? Dites-moi en commentaire. Comment vous avez vécu? Comment vous avez vécu la finale? Je vous explique, moi, ce qui s'est passé. En fait, je dormais et j'entends, mais si l'eau, qu'est-ce que tu fais? Le bâtiment vibre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vol, il y a quoi? C'est la guerre, c'est la troisième guerre mondiale qui a commencé, ça fuit, qu'est-ce qui se passe et tout. Je me lève. J'arrive au niveau de la porte. J'entends aussi le Olivia, Olivia, Olivia. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ma voisine. Elle me dit, Olivia vient de passer. Je dis, mais c'est pas possible. Tu vas me tenir. Elle dit, mais t'es pas sérieuse, je dormais. Je dis, mais oui, je dormais. Je me suis endormie. Elle dit, mais non, je suis pas endormie comme ça. Debout. Je me suis levée, je laisse mon téléphone. Pile au moment des éliminations. Je me dis, mais attends, déjà élimination? Olivia est déjà éliminée ou elle est encore dans la coussine? Elle me dit, non, elle est encore dans la coussine. Je dis, ok, y a pas de souci. Je m'assois, je me concentre, je vois. Oh là là, c'est pas. Et voilà, c'est un résultat inattendu, on va dire. C'est vraiment bizarre. On s'y attendait. On va pas, dire ouais, totalement inattendu. Le top 12 sur ce plateau et sur tout le continent. Baik, terima kasih. Ça sert à rien les challenges en fait. Là. Les candidates africaines, une seule candidate africaine et pas forcément la plus citée comme une des favorites, passera à l'étape suivante dans le top 12. Khadija Omar, la Miss Somalie, ni la candidate présentée comme la grande favorite Olivia Yassé de Côte d'Ivoire, ni Audrey Moncam du Cameroun. Ni Saran Ba, ni Choudou, ni Conakry, ni Choudou, ni la Miss Botswana, la Miss du Botswana ne passeront cette étape, encore moins la Miss de Madagascar. C'est une immense déception. Complètement. C'est une incompréhension totale parce que finalement, on se demande.
Ça tient à quoi, en fait, les critères? C'est quoi les critères, finalement, de ce concours? Pourquoi ils font des challenges si c'est pour éliminer Alors, on va peut-être aller à Puerto Rico. Hey, regardez, la Somalienne, elle est dépitée. Comprendre un tout petit peu, en tout cas, prendre la température. J'imagine que l'ambiance est plombée. On va à Puerto Rico. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attention, on a raté quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a raté? Fernando a annoncé quelque chose. Il en restait une. Oh, Seigneur! Il en restait une! Il en restait une, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il en restait une deuxième, non? Non, mais qu'est-ce que ça fait? Attendez. Parce qu'on parle aussi. Your hashtag is assume your identity. Ah, ben voilà. Mais est-ce qu'elle est sélectionnée? Elle est sélectionnée? Well, you know, Peter, a lot of people suffer from mental health. Beaucoup de personnes souffrent de santé mentale. Self-rejection and don't assume themselves. Et so assuming your identity is about accepting who you are, whether you're black or white, whether you're tall or short. C'est pas une question. It's about acknowledging that whoever you are, you are enough. So when you see that hashtag, know that it's about representation. And it's about what the world benefits on ne veut même pas savoir ce qu'elle dit, on veut comprendre. Oui. And I'm convinced that there's no better fulfillment than being proud oh là là. Of what you represent. Quelle éloquence. So wherever you are, back there, back home, to all of you here tonight, remember que vous soyez, que vous soyez ici dans la salle ou chez vous, vous pouvez y aller. Bravo. Alors, c'est nous qui n'avons pas bien. Elle est repêchée. So that makes me feel very good. Congratulations to our top 13 and please show your appreciation for the remainder. Elles sont 13. Top 40. Who put so much effort and time? Elles sont 12, on a mal compté. Il restait 2. Elle est dans le top 12. On a eu plein d'émotions ici. Nous n'avions pas bien compté. Premier finaliste, deuxième finaliste, troisième finaliste, quatrième finaliste, cinquième finaliste, sixième finaliste, septième finaliste, huitième finaliste, neuvième finaliste, dixième finaliste, onzième finaliste, douzième finaliste. C'était comme... Je sais pas comment vous expliquer. C'était comme... J'étais tétanisée, j'étais déçue, choquée, tétanisée. Attends, Olivia, c'est pas possible. J'étais choquée. Et j'entends, il y a une douzième finaliste encore. Connie! Première candidate, deuxième candidate, troisième candidate, quatrième candidate, cinquième candidate. Imaginez un peu la deux. Ah oui, franchement, c'était trop hot. J'ai pas compris en fait le système. J'ai pas compris. Après, je me suis dit que c'était peut-être le marketing. C'était pour lever l'attention dans le truc, vu que Olivia, c'est une candidate qui a fait beaucoup de bruit, elle était beaucoup assis médiatisée et tout. Donc je me suis dit, finalement, c'est juste pour un gros buzz autour de la finale. Donc voilà, ça, c'est le choix. Et sixième, Olivia est assise. Ok, y a pas de souci, allons-y. Les trois gagnants, le trio. Wow. Voilà. La chaise est là. La chaise est là.
Now the moment of truth has arrived. Le moment de vérité est arrivé. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît les résultats. C'est la CEO, la présidente directrice générale du comité Miss Monde, Julia Morley. Elle est déjà là. Déjà là. Et la Miss. Oh là là. Oh mon Dieu. Bon. Le moment qu'on attendait tous. Ok. I'd like to announce the results. J'aimerais annoncer le résultat. The second runner-up is. Deuxième dauphine. Deuxième dauphine. Wow. On y est, hein. Côte d'Ivoire. Oh. Oh. Choqué. C'est quoi ça? Oh, mais c'est pas grave. Elle est deuxième dauphine. On donnait un mérite. Olivia Yassé qui est sur le podium de Miss Monde. Elle n'a pas la couronne, mais elle est en troisième position. Bravo, félicitations. Elle a quand même une couronne. Elle a une couronne, ce n'est pas la couronne bleue. Première dauphine. Moi, je vois bien la Pologne. Pologne, mais je vois la Pologne gagner. La Miss États-Unis. Moi, je vois la Pologne gagner aussi. Miss États-Unis, première dauphine, seconde. Ah, bah écoutez, on est un peu déçus, mais c'est quand même bien. De ce concours, Miss. Je n'étais pas moi. Et maintenant, la Miss. Ils ont changé le fauteuil entre-temps. Et maintenant, et la gagnante est. Miss Pologne. C'est la Pologne. Of Miss World. Carla Jules, c'est la Pologne. Ne me dis pas Indonésie. C'est quoi? Ne me dis pas Indonésie. Pologne. La Pologne, moi, je pense. Pologne. Pologne. Ça se sentait. Mais oui. Il m'arrive des fois où j'ai envie de m'arracher les cheveux. Tellement j'ai mal, tellement mon cœur saigne. J'ai envie de me rouler, me jeter à terre pour leur donner. Et... Mais on va faire... Bizarrement, je savais qu'Olivia allait deuxième dauphine. Quand ils ont dit la deuxième dauphine, c'est... Je dis... Seigneur, je veux pas que ça soit Olivia Yassé. J'entends Côte d'Ivoire. Mais c'est mieux. Au moins, elle est dans le trio avec tout ce qu'elle a fait comme effort et tout. Non, mais franchement, je sais que vous avez vu un peu ses photos. C'est non. Olivia a mis la barre vraiment haut. Je me demande qu'est-ce qui va se passer avec les autres candidates de Miss Côte d'Ivoire. Les présélections de Miss Côte d'Ivoire 2022 ont déjà commencé. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Non, mais sincèrement, le conseil que je peux donner aux commissaires, s'il n'y a pas de candidate prête pour maintenir le cap, pour lever la barre encore plus haut, c'est pas la peine de remplacer Olivia, franchement. Laissez Olivia faire peut-être 5 mandats et préparer d'autres Miss pour la remplacer. Olivia, elle est tellement parfaite. Elle est juste magnifique. Magnifique! 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 Juste magnifique, en fait. Du coup, je n'ose même pas m'imaginer qui sera après elle. Franchement. Et... Je sais plus quoi dire. En fait, je suis tellement paumée. J'ai pas dormi. Je suis fatiguée. Et je commence à avoir faim. Hyper faim. J'ai un gros creux parce que j'ai pas dormi. Donc, vous voyez que je dors pas. C'est un moment, tu as faim. Ce qui m'arrive actuellement. Mais je voulais faire la vidéo. Je voulais que ma vidéo soit l'une des premières. Malheureusement, je sais que ça sera pas l'une des premières sur Olivia Yassé parce que j'ai mis trop de temps. La Familia, ce fut une très, 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 non mais franchement, très belle aventure parce que nous avons vécu cette compétition avec elle. Nous étions avec elle depuis le début, en train de remuer par-ci, les réseaux par-là. C'était trop. C'est ma gueule. Oli. Non, franchement, Olivia, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est ma candidate, c'est moi, c'est. Je l'ai dit. Olivia. La Familia.
Non, mais sincère, moi, je suis trop contente. Allez, la familia, je vous dis bye, 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 bye. J'ai trop, trop... Non, mais franchement, j'ai trop faim. Et on se dit à la semaine prochaine, si possible, une nouvelle vidéo. Bye, bye.